Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 24 octobre 2022, toute la semaine à partir de samedi 24. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a un très important changement planétaire, la semaine démarre comme ça, avec l'arrivée, depuis dimanche, milieu de journée, de l'astre solaire qui change de secteur comme il le fait une fois par mois. Et on vient à peu près tous les ans au même endroit, c'est vrai, avec un petit décalage. C'est pour ça qu'on a créé le calendrier avec les années bissextiles pour recadrer. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on me pose la question, ceux qui sont nés entre deux signes, dans un horoscope, on me dit « je suis balance », l'autre « je suis scorpion », ça change tous les ans. Voilà. On me pose souvent la question, ça change tous les ans, en fonction du calendrier. Cette année, le soleil a quitté la balance pour entrer en scorpion, dimanche 23, hein, donc la veille de cet horoscope, en milieu de journée, je crois que c'était autour de midi, midi et demi, un truc comme ça. Là, le soleil est entré en scorpion, ça change tout. Qu'est-ce qui change? Je vous ai parlé pendant un mois de ceux qui avaient davantage d'énergie, de vitalité, de chance, hein, qui étaient les signes d'air et les signes de feu. Et bien là, c'est à présent aux signes d'eau et aux signes de terre que les influences planétaires, notamment solaires, veulent le plus grand bien. Il y a dans le ciel, pour l'anecdote, en ce moment, deux planètes dans le même axe, c'est le Soleil et Vénus, qui rentrent à quelques heures d'intervalle, depuis dimanche, dans le signe du Scorpion. Le Soleil, c'est la confiance en soi, le Soleil, c'est la confiance, la vision d'ensemble, la chaleur, toute relative en cette saison. De cet astre solaire collé à Vénus, hein, qui est dans la même zone vue du ciel, vue de chez nous, là, hein, système géocentrique, on regarde, Soleil et Vénus conjoints, j'aime beaucoup ces conjonctions-là, parce qu'elles arrondissent, elles adoucissent, elles assouplissent. Bref, Soleil, confiance en soi, Vénus, charme, besoin d'aimer, donc toutes les informations émotionnelles passent mieux pour qui? Allez, qui sont les privilégiés pendant un mois maintenant? Chacun son tour. Mes scorpions, bon anniversaire premier des camps. Mes poissons, mes cancers, mais en 60 degrés en amont en aval, mes vierges et mes capricornes. Pour vous cinq, on rentre dans une période beaucoup plus agréable, que ce soit sur un plan relationnel et affectif, en matière de confiance en vous, en matière de fluidité relationnelle. On est dans une phase extrêmement constructive qui met en lumière votre sensibilité, votre perméabilité, votre capacité à créer du lien humain plus approfondi que les liens de surface, tout simplement. La mécanique des signes d'eau a ceci de spécifique, c'est que l'on ne polarise pas sur la fluidité apparente, qui est davantage l'apanage des signes d'air, pour rechercher, c'est pour ça que les connexions sont plus difficiles, plus rares, plus lentes, hein, moins fréquentes, de créer du lien humain beaucoup plus approfondi, hein, tout simplement. Voilà ce qui se joue. Donc excellent, on l'a vu, en matière de vitalité, de confiance en soi et de mécanisme affectif, de sensibilité émotionnelle, de besoin d'amour, avec des petites singularités dont je vais vous parler, pour, on l'a vu, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, c'est votre tour, et également mes vierges, mes capricornes, super. Également Vénus. Vénus dans le scorpion prend une coloration très différente de ce qu'elle avait en balance. En balance, tout n'est que charme, douceur, délicatesse, harmonie et diplomatie. En scorpion, on change radicalement de registre dans les colorations affectives. Pourquoi? Vénus, c'est l'amour, le scorpion, c'est la passion, c'est un signe qui est gouverné par Mars, le désir, par Pluton, les aspirations profondes, archaïques, reptiliennes, nos pulsions, nos passions, l'intensité de nos ressentis est décuplée, hein, mais c'est davantage l'aspérité. Dans tous les cas, cette conjonction, elle est agréable, dans le ciel, elle est belle à voir, dans le sens où Soleil, lumière, conscience, Vénus, arrondi, amour, les deux en liaison sont bien. Hein. Donc vous l'avez vu, pour vous cinq, profitez-en, la période va durer à peu près un mois, c'est le bon moment pour aller de l'avant. J'ai entre les deux encore des planètes, allez, encore des planètes en signe d'air. Pareil, n'importe tout le monde, ce serait trop facile sinon, ça serait triste. J'ai toujours Mercure, le mental, l'intellect dans le signe de la balance, et j'ai toujours Mars, l'action dans le signe des Gémeaux. Mercure dans le signe de la balance, j'ai toujours eu une affection tout à fait particulière pour cette position. Pourquoi? Mercure, c'est le verbe. Mercure, c'est l'adaptation, la communication, l'intelligence. Mercure, c'est notre aptitude à créer l'interface, à être sur la même longueur d'onde. Pas d'un point de vue émotionnel comme la Lune, mais d'un point de vue oralité, d'un point de vue occupation de l'espace, message à faire passer. C'est l'intermédiaire, Mercure. Et en balance, il... Là, cette valeur ajoutée
de diplomatie, de mots qui apaisent, de recherche intellectuellement, d'entente, de points qui nous relient, de points de convergence. On va choisir ces mots. On va faire en sorte d'éviter ce que j'appelle les mots à aspérité. Il y aura très 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 rarement de la vulgarité chez Mercure en Balance. En revanche, il y aura un esthétisme, une élégance, une délicatesse, une finesse, une douceur, une souplesse, et puis des perches contentes pour faire en sorte de trouver, encore une fois, le point d'entente. C'est pour ça que je l'adore. Donc, excellent Mercure pour mes balances, communication est bonne, pour mes Verseaux, pour mes Gémeaux, pour mes Lions et pour mes Sagittaires. Très bon pour vous. Et puis, il y a également Mars, l'action. Mars, je vous en fais des pataquès, surtout qu'on a bien compris qu'il est resté encore des mois en Gémeaux. Je crois qu'il est Mars et encore en Gémeaux jusqu'en mars 2023, justement. Donc, il est là. Hein, on connaît son côté tonifiant, comment dire, réactif, rapide dans le signe des Gémeaux. C'est l'action-adaptation. Il apporte une belle énergie active pour mes Gémeaux, mais encore une fois, quand on l'a pile poil au-dessus de sa tête, l'énergie peut être trop intense, trop dense, trop constante, trop permanente. Donc mes Gémeaux et mes Vierges, qui êtes les cousins des Gémeaux, en carré des Gémeaux, malheureusement, bénéficiez d'un apport d'énergie, mais en même temps d'une tonicité accrue, d'une impatience accrue, d'une irritabilité accrue, parce que pourquoi? Parce que Mars, chez nous les Mercuriens, Gémeaux Vierges, va avoir une incidence extrêmement tonifiante, dynamisante, motorisante en quelque sorte, mais ne prend pas en compte notre côté mercurien qui a besoin de pause pour s'adapter, pour recharger les batteries, et ça nous met en flux tendu dans l'action, ce qui nous invite, nous, Gémeaux et Vierges, à faire 10 trucs en même temps, sans être à l'écoute des signaux de fatigue. Voilà, donc c'est là-dessus où il va falloir trouver de quoi décharger sa charge psychique, justement. Il faut trouver des pauses, des moments où on s'apaise, des moments où on se détend, où on rigole, où on se vide l'esprit, où on fait de l'humour. C'est indispensable, sinon on va péter un plomb. Voilà, c'est dit pour mes mercuriens. Mars est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Jupiter. Ça, c'est un énorme morceau planétaire. Énorme. Jupiter était en bélier depuis plusieurs mois. Jupiter en bélier, il a une densité, une volonté, une force, une puissance absolument formidable. Hein, mais il retourne en poisson jusqu'au 20 décembre. À partir de vendredi 28 à octobre, à partir de 5h12 en temps sidéral, c'est-à-dire 7h du mat ici en métropole pour faire court, à partir de vendredi 7h du matin, la donne change. Jupiter, la planète de la chance, retourne en poisson, parce qu'il est plus lent que nous quand on fait le tour du soleil, je ne vais pas vous le refaire, hein. Et là il retourne en poisson jusqu'au du 28 octobre au 20 décembre. Et lorsqu'il est en poisson, Jupiter forme ce qu'on appelle des affinités naturelles avec ce secteur. Jupiter, on le sait, il y a des endroits où il est plus beau, où il apporte plus de chance, parce que c'est un état d'esprit la chance, toujours, c'est un état d'esprit, c'est voir le bon côté, retrousser les manches, et faire en sorte que ça fonctionne en optimisant tout ce vers quoi on tend. C'est son boulot, sa fonction, d'être dans les clous, d'être positif, constructif et optimiste. Jupiter retourne en poisson, et donc il favorise qui? La bonne blague, mes signes d'eau encore. Vous voyez, c'était votre tour, je vous avais dit patience, courage, tenez le coup dans les petits commentaires. C'est votre tour. Excellent pour mes poissons. Excellent. Jupiter sur sa tête, moi j'en veux bien ad vitam. Vraiment, c'est une merveille. J'adore avoir Jupiter dans le coin. Excellent pour mes poissons, donc. Top. Excellent pour mes scorpions, trigone, 120 degrés, de l'eau du poisson à l'eau du scorpion. Excellent pour mes cancers, jusqu'au 20 décembre, là, on est dans des périodes tout à fait délicieuses. Excellent pour mes taureaux, sextile. Excellent pour mes capricornes, même aspect. Vous 5, jusqu'au 20 décembre, profitez-en bien. Parce qu'ensuite, il retournera en bélier, je vous en reparlerai. Voilà. Donc, super, voilà, beaucoup de choses pour mes signes d'eau, beaucoup de choses pour mes signes de terre, profitez-en, c'est super. Chacun son tour. Et puis, toujours dans le même esprit, il y en a une autre planète en signe d'air en ce moment. Donc, je parle plus rarement, cette planète c'est Saturne. Saturne a repris sa marche directe dimanche 23. Et il va poursuivre, il est en Verseau, il est à 18 degrés, deuxième décan du Verseau, donc fatigue, mais deuxième décan Verseau. Attention, mes troisième décan, il arrive sur votre tête, là, en fin d'année. Pas bien grave, hein. Saturne la sagesse, Saturne le temps, c'est une position qui lui sied bien en Verseau, il est heureux, ça accentue la profondeur de pensée et ça permet de réorganiser tout ce qui traîne. Alors, tout petit bémol, faites attention,
il y en a quatre d'entre vous qui doivent faire un tout petit peu attention là. Parce qu'il y a dans le ciel deux planètes qui sont en tension. Les planètes en tension, c'est Saturne, hein, la sagesse, 18 degrés du Verseau, qui forme ce qu'on appelle un carré, une demi-opposition, c'est encore plus violent qu'un carré, qu'une opposition à un carré, avec Uranus, planète de la nouveauté, de l'originalité, des changements, sortir des sentiers battus, rébellion, voilà, c'est un peu ça Uranus, hein, c'est un raz-de-marée, soudaineté, c'est les rebelles. Bref, carré dans le ciel entre Saturne et Uranus, ça fait un bout de temps qui nous casse les pieds, là il est exact, à un degré près. Donc faites juste un petit peu attention, tous ceux qui ont ou un ascendant, ou un soleil, ou une lune, ou un mercure, une vénus, enfin, quoi que ce soit, qui se situe à la naissance dans le deuxième décan, Verseau, Taureau, Lion et Scorpion. Vos quatre, on lève le pied, pas de décision active, pas de tension, pas de prise de bec, pas de rapport de force, pas de conflit, on évite tout ça. Boum, voilà, hein, on laisse passer l'orage, et d'ici quelques jours, ça aura disparu de la circulation, on n'en parlera plus. C'est dit. Neptune, bon, je ne vais pas en reparler, il va être conjoint, ça c'est un très très beau truc qui se présente bientôt, là. Jupiter va rejoindre Neptune, et en matière d'inspiration, et d'humanité, et de gentillesse, et de profondeur, de ressenti, ça va être très dense pour mes signes d'eau. Je vous réserve plein de bonnes choses dans les semaines qui viennent. Et je voudrais terminer cet horoscope par, allez, j'ai dû vous le faire 10 fois, mais j'aime bien, alors je vous le refais peut-être une fois de plus. C'est comme il y a dans le ciel cette semaine une conjonction entre le soleil, principe de lumière, d'assurance, et Vénus, amour, hein, eh bien, je vais vous faire vite fait un petit tour, pour ceux qui ne l'ont pas vu, lorsque dans son ciel de naissance, il y a soleil avec une autre planète, conjoint, comme ça, dans le même coin. Lorsque c'est le soleil et la lune, c'est les nouvelles lunes, hein, ça renforce le signe. Lorsque c'est le soleil conjoint à Mercure, ça dynamise le mental, les cellules grises tombent plus vite, c'est plutôt sympa. Lorsque Soleil est conjoint à Vénus, comme en ce moment, ben, tous ceux qui sont concernés ont beaucoup plus de savoir-faire relationnel, de charme, de besoin d'affection et d'amour, tout simplement. Lorsque le Soleil est collé avec Mars, ben, ça donne des profils beaucoup plus toniques et moteurs. Lorsque le Soleil est conjoint à Jupiter, ça donne les chanceux, parce qu'ils voient le bon côté des choses, ils sont dans les clous, ils essaient d'être honnêtes, carrés, fiables, et puis optimistes. C'est ça la coloration d'un Soleil Jupiter. Lorsque c'est Soleil Saturne, le manque de confiance en soi fait que les premières années sont difficiles, mais rassurez-vous, la deuxième partie de vie, à partir de la quarantaine, ça va mieux. Lorsque c'est Soleil Uranus, ça me donne les rebelles qui n'aiment pas être dans le système. Alors, Soleil Uranus, c'est tout sauf des moutons. Hein. Ça, c'est extrêmement agréable. J'aime beaucoup les Soleil Uranus parce qu'ils sortent des sentiers battus. Hein. Les idées arrêtées, ça les agace. Ils essayent d'être hyper lucides sur ce qui se joue, avec toujours ce coup d'avance. C'est très très intéressant sur le plan relationnel et humain, les soleils Uranus, parfois un peu beaucoup rebelles, mais bon, comme ça. Les soleils Neptune, mes idéalistes, ah, mes grands cœurs, ceux qui voient, qui ont la foi dans ce vers quoi ils tendent, et mes soleils Pluton sont mes inquiets, hein, qui voient les plans dans les plans, hein, qui souvent se tracassent, qui essayent de voir ce qu'il y a, les enjeux cachés, donc qui aiment bien aussi avoir une certaine influence sur ceux qui sont autour d'eux. Voilà. Allez, je voulais vous faire ce petit tour. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, pour tout ce qu'on partage ensemble et toutes les bonnes énergies qu'on s'envoie réciproquement qui font ce que j'appelle écho. Tout simplement écho, parce que c'est comme ça qu'on est bien. On se dit à très vite. Je vous prépare plein de trucs. J'ai commencé à poster les annuels 2023, un peu en avance, certes. Et puis c'est pour ça que je ne les ai pas toutes mises. Ça va venir, les unes après les autres. Je vous dis à très vite. Merci de vos gentils messages. Et de vos likes, surtout les likes, ça me fait super plaisir. Au revoir.